Bibliothécaire experte en textes rares, de Balzac comme de Barbey d'Aurevilly, Anne Secret a commencé une prometteuse carrière d'auteur de romans policiers avec La mort à Lübeck, paru dans la collection de poche Babel Noir des éditions Actes Sud. L'intrigue débute à Lübeck précisément, cette ville hanséatique d'Allemagne du Nord, au monument de briques rouges où sont nés les frères Thomas et Heinrich Mann. L'oncle du narrateur vient d'y être assassiné. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre à Lübeck, ce Jean dit Hans Wahl, ancien d'Algérie et professeur irrésistible? Et cette étude sur Heinrich Mann est-elle une couverture ou une recherche véritable? Son neveu Max, traducteur d'allemand, se rend sur place et après avoir reconnu le corps, procède à sa propre enquête avec un détachement et un humour qui n'excluent nullement l'émotion. Hans, semble-t-il, a bel et bien été victime d'un contrat. Et pour mettre au clair cette sombre histoire, Max se livre à une prodigieuse descente dans les couloirs glauques du métro. Il s'agit donc d'un complot abyssal et terrifiant dans la jungle des villes et les complicités de toutes sortes. Anne Secret, mais est-ce là son nom véritable, nous entraîne, il n'est pas possible de lui résister.